c'est bien, mais c'est un rodage par rapport au développement de la médecine depuis toutes ces années où en effet de très grandes découvertes faites par les académiciens et diffusées en France et dans le monde, comme les vaccinations par exemple grâce à Pasteur. Ce qui reste l'originalité profonde de l'académie, ce sont ses membres, les académiciens, qui ont 40 ans de formation médicale ou d'enseignement médical derrière eux, donc une pratique médicale, une expérience du dispositif de soins et qui, en toute indépendance, réfléchissent à des améliorations et à des perfectionnements qui peuvent intéresser à la fois les pouvoirs publics mais aussi l'opinion générale. Donc quelle est la mission de l'Académie ? Ça consiste à se tourner vers la société, à lui envoyer des messages parce qu'il y a des courants d'opinion qui ne sont pas toujours tout à fait souhaitables. C'est certain que nous avons abordé des sujets assez sensible. L'avenir de l'Académie, c'est de proposer des transformations, en particulier dans le grand bouleversement numérique qui est en train d'apparaître, qui exige une réorganisation importante dans le métier médical, tout en faisant exigence aux médecins de rester humains et d'être en relation avec son malade, avec l'empathie et évidemment la compétence.